enchaîner les victoires en considérant chaque match comme une finale est l'objectif principal de Majid Bougra et ses protégés. Les Verts ambitionnent d'aborder la rencontre face au Mozambique avec la ferme intention de terminer premier de leur groupe. L'objectif est clair, c'est de continuer à gagner les matchs, de finir premier de cette poule. Et voilà, on s'est bien préparé, la plupart des joueurs ont très bien récupéré. D'autres joueurs aussi qui attendent avec impatience aussi de montrer leur qualité, de jouer, d'aider l'équipe. Ou Hadil Moubara à Mozambique, le Farik à Mozambique, Narvoha, Mneh, Ken Bezef Labin, le Farik Loula, une équipe aussi, Taraf Tarab Lokora. Donc voilà, comme tous les scénarios, on est prêt à anticiper tous ces événements pendant ce match-là. On a un groupe très compétitif, il y a des joueurs de qualité, donc on est très concentré pour le dernier match. N'importe qui sera sur le terrain, il donnera son maximum pour le pays. Et puis voilà, hein, on prend les matchs les uns après les autres et nous on va jouer ce dernier match à fond pour le gagner, hein, comme tous les autres matchs. Pour maintenir une certaine fraîcheur physique de ses joueurs, le coach envisage d'effectuer quelques changements. Tous mes joueurs sont prêts pour entamer un match. Et quel que soit le changement que je ferai, c'est des joueurs aussi qui méritent de jouer. Il y aura des changements, combien vous le verrez. Mais ce qui est sûr, c'est vrai que la fraîcheur physique va être très importante dans cette Coupe d'Afrique parce qu'on le voit. On voit tous les matchs qu'à partir de la 60e minute, on voit beaucoup d'équipes qui commencent à baisser physiquement. Donc on a la chance d'avoir un groupe élargi, profitons-en, sachant que c'est des joueurs de qualité qui méritent aussi. Les Mozambicains sont très motivés pour valider eux aussi leur qualification. Nous n'avons jamais remporté de CHAN. Demain, nous allons affronter un adversaire de taille qui est l'Algérie. Ce sera un match difficile pour nous. On veut se qualifier au prochain tour. Je sais que mes joueurs vont tout donner pour se qualifier et rendre notre peuple fier. Non va essayer absolument nada. Un match difficile et important pour les deux équipes, qui verra l'absence de Ayoub Abdellaoui et de Shoaib Dabih, tous deux blessés.